Nous allons donc devoir reprendre nos travaux suspendus hier de notre troisième convention. En toute humilité, je demande à tous les puissants. Père, nous saluons ta présence au milieu de nous cet après-midi. Nous demandons l'intelligence, la sagesse et ta connaissance cet après-midi. Que tout ce qui n'est pas de Dieu en ces lieux, que tout ce qui n'honore pas le Seigneur, nous te confions les travaux de la session de clôture de cette convention. Cette troisième convention de la dynamique. Nous allons à présidentielle nationale, provinciale et locale à venir, avons décidé, article 1er, et désigné candidat président de la République à l'élection présidentielle à venir en République démocratique du Congo. Pour le compte de la dynamique de l'opposition, Monsieur Martin Fayulu. Technicien.
Mais, hélas, il refuse de s'y conformer. Et même, il mène une véritable guerre contre elle. La liste des tentatives et stratagèmes concoctées par lui et sa mouvance pour la vider de toute sa substance est longue. Déjà, à la première convention de la dynamique de 2016, nous en avions dénombré une vingtaine. Plusieurs autres s'y sont ajoutés, notamment la déstabilisation des provinces du Kasaï, de l'Ituri, et le dernier en date est celui de vouloir diviser la province du Nord Kivu pour affaiblir davantage le Kivu et le Congo. Nous nous y opposons farouchement et disons que cela ne passera pas. Car l'objectif poursuivi par M. Kabila est d'assassiner la Constitution, de pondre une autre afin de lui permettre de se maintenir au pouvoir contre la volonté du peuple. Nous avons tous, je l'ai dit, nous avons tous les devoirs moraux et citoyens de l'en empêcher. Pour rappel, le second et dernier mandat de M. Kabila a expiré depuis le 19 décembre 2016, l'année où des élections générales devaient être organisées, sans lui, conformément à la Constitution. Cependant, à la faveur du consensus dégagé dans l'accord de la Saint-Sylvestre, sous l'égide de la CENCO, une rallonge lui a été accordée jusqu'en décembre 2017 pour organiser les élections, ce qu'il a refusé de faire en jouant avec le temps. Et depuis le 1er janvier 2018, il a fait un coup d'État. Il s'impose brutalement au pouvoir et veut y demeurer en s'appuyant sur des institutions illégitimes et des compatriotes compradors. Nous leur disons en cœur avec le peuple congolais, ça ne passera pas. Pour y arriver. Aujourd'hui, ils ont trouvé en la CENI de M. Nanga et Basengezi un allié de taille pour construire des obstacles à la tenue des élections crédibles attendues par tout notre peuple. Passé maître dans l'art de la confusion et de la diversion, des projets du roi Akab. Les associés de M. Kabila sont déployés partout sur le terrain, sur le territoire national. De Kinshasa à Kindu, en passant par Mbandaka et Lubumbashi, ils défient le monde, posant des drapeaux sur les lampadaires publics, les longs des boulevards et routes secondaires, occupant les médias publics auxquels ils nous refusent l'accès, affirmant la main sur le cœur, vouloir aller aux élections. Mais ils n'ont pas de candidats. Ils n'ont pas de candidats.
S'ils en ont un, celui qu'ils proclament, il est déjà disqualifié. Il est disqualifié par les cartons rouges de la Constitution. Donc, vouloir aller aux élections. Mais ils veulent nous imposer une machine à voter. J'ai compris, ils veulent nous imposer une machine à voler. Et tout le monde refuse. Ils affirment donc vouloir aller aux élections. Mais ils veulent nous imposer une machine à voler que tout le monde refuse. Une cour constitutionnelle au sort. Et un fichier électoral fabriqué de toutes pièces, donc un faux. S'agissant particulièrement de ces faux fichiers, tout le monde a enfin découvert que la CENI a fait appel à l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, pour l'aider à les crédibiliser. Nous marquons notre désaccord total avec la conclusion de l'OIF après l'audit du fichier électoral. Car cet audit a clairement démontré les caractères faux de ces fichiers. Et nous exigeons donc la radiation des prêts de 10 millions d'enrôlés sans empreinte et avec empreinte incomplète. À la confusion et à la diversion entretenue par le régime en place. On s'est garéré de les considérer comme une provocation. Non, ça n'est pas une. J'ai lu quelque part sur les réseaux sociaux, excusez-moi de vous le dire, en effet, que parfois la lutte n'est pas la meilleure réponse à une provocation. Et que parfois, en étant trop déterminé à vouloir détruire les autres, on finit par s'aveugler et par se détruire soi-même. Si donc les gens veulent se détruire eux-mêmes, ils ne doivent pas compter sur nous pour les en empêcher. La terrible réalité pourtant est qu'il s'agit d'une volonté clairement affichée de saboter le processus électoral. Preuve, on ne peut plus évidente, du manque de respect pour le peuple congolais qui a adopté massivement la Constitution lors du référendum de décembre 2005. C'est de la mauvaise foi pure et simple. Jacqueline Borne note à ce sujet que, je cite, « Couramment on dit de mauvaise foi, celui qui, par amour propre ou par intérêt, s'obstine contre toute évidence à soutenir qu'il a raison, alors qu'il sait pertinemment bien qu'il a tort. Sourd à l'argumentation rationnelle, il échafaude de fausses bonnes raisons, s'enfermant ainsi dans un système de défense absurde. Dans ce jeu du vrai et du faux, l'homme de mauvaise foi ne trompe personne, surtout pas lui-même. » Fin de citation. Non, non, trop c'est trop. Il faut arrêter avec la médiocrité doublée d'une mauvaise foi avérée. Nous ne tomberons pas dans les pièges de la mouvance kabyliste.
Mesdames et messieurs, membres de la dynamique, distingués invités, outre la guerre menée contre la Constitution par la mouvance kabyliste, cause profonde de la crise actuelle dans notre pays, il faut mentionner également les violations graves et répétées des droits humains et des libertés fondamentales. Le 25 février de cette année, un jeune garçon brillant, Rossi Mukendi, leader du mouvement citoyen collectif 2016, a été assassiné par la police ici à Kinshasa, alors qu'il refermait le portail d'une église pour protéger les autres compatriotes sortis comme lui ce jour-là pour participer à une marche pacifique conforme à la Constitution. Son corps a été séquestré pendant près de 3 mois. Et quand on a décidé de les libérer, le cercueil contenant son corps a été profané par la police les jours de son enterrement. C'est inacceptable. Le respect des morts, du sacré, a désormais quitté la maison Congo. Que nous reste-t-il encore d'humain? La mort de ces jeunes brillants symbolise les combats et les sacrifices de tout un peuple, et plus particulièrement de toute une jeunesse, pour un avenir meilleur dans leur pays. Rendons un hommage digne à tous ceux qui ont payé de leur vie pour le salut de tous, en observant une minute de silence. Monsieur membre de la dynamique, distingués invités, au lieu de priver les jeunes Congolais d'emploi, de l'électricité et donc de les empêcher d'étudier dans de meilleures conditions, de leur refuser un environnement salubre et de leur offrir les paris foot, novelas. Soit un environnement d'amélioration de leurs conditions de vie. C'est ainsi que les Congolais refusent de comprendre qu'il y ait encore aujourd'hui dans notre pays des compatriotes qui croupissent en prison. Non pas parce qu'ils ont commis des crimes, mais parce que le régime de M. Kabila a décidé de les enfermer. Franck Diongo, Diomi Ndongala, Jean-Claude Muyambo, Eric Kikunda, Carbone Beni et tant d'autres. Jekoko Mulumba, que font-ils en prison? Que font-ils en prison, chers compatriotes? Voilà pourquoi les organisations internationales de défense des droits humains qualifient notre pays de prison à ciel ouvert et de capitale mondiale du viol. Pouvons-nous en être fiers? Regardez les populations des provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, des Kasaï, de l'Ituri, du Congo central, de Kinshasa et tant d'autres. Ils sont chaque jour victimes de massacres, tueries et enlèvements avec des bandes de rançons. Les conflits et la violence ont contraint
plus de 4 millions de Congolais à se déplacer à l'intérieur de leur propre pays, abandonnant leur village, forcés d'oublier les mythes liés à leur héritage. Or, nous savons tous que les déplacements internes marquent souvent les débuts des crises beaucoup plus complexes. Tout ceci constitue une interpellation de la conscience nationale qui doit se réveiller. Je le dis bien, tout ceci constitue une interpellation de la conscience nationale qui doit se réveiller. Mesdames et messieurs, membres de la dynamique, distingués invités, l'heure est grave. Notre pays, la République démocratique du Congo, est à un tournant décisif de son histoire. C'est pénible de le dire, mais il n'est pas exagéré d'affirmer qu'il n'est pas loin du chaos ou de l'implosion. C'est que M. Kabila recherche désespérément le chaos et l'implosion du Congo. Il s'agit d'un plan machiavélique. Et les éléments ci-après les démontrent clairement. 1. Le cadre institutionnel du pays est fragilisé à dessein, car toutes les institutions de la République sont totalement illégitimes. 2. L'insécurité généralisée qui règne sur l'ensemble du territoire national est des plus inquiétantes. 3. L'autorité de l'État est minée et manifestement absente. 4. La misère grandissante de la population a atteint son paroxysme. 5. Le processus électoral est conduit dans un obscurantisme qui prépare les lits à une énième imposture, source de la dictature. 6. Il y a des gens sans foi ni loi qui profitent scandaleusement de nos richesses dans le silence total de ceux qui prétendent nous gouverner. 7. Sur le plan international, notre pays n'existe pratiquement plus car il ne pèse pas. Le Congo de Lumumba est devenu la risée de tout le monde entier. Pendant ce temps, certains acteurs politiques congolais, adeptes des raccourcis, aveuglés par la facilité, les appétences de repositionnement, vaincus par la corruption et le mensonge, ces acteurs poussent leur félonie et leur irresponsabilité dans des comportements petits, dignes de marionnettes. C'est manquant indubitablement du peuple et de la vie des autres. Disons-le clairement. Chers frères et sœurs, disons-le clairement, sans langue de bois, les vrais problèmes avec les politiciens congolais, c'est les manques de caractère. C'est le manque de caractère. Placé sous le thème central, un Congo libre et prospère, c'est encore possible. Cette troisième convention a été un moment clé de décision pour opérer une rupture avec les antivaleurs, la médiocrité et les désordres
systémique installé dans notre pays depuis l'avènement de l'AFDER, des tristes mémoires, en 1997. Ainsi, au terme de cette troisième convention, la dynamique de l'opposition, s'appuyant sur les résolutions prises à cette occasion, lève les grandes options suivantes. 1. La dynamique de l'opposition ne boycottera pas les élections à venir dans notre pays. Elle s'y prépare sérieusement et elle présentera des candidats à tous les niveaux. 2. La dynamique exige des élections transparentes, crédibles et apaisées. 3. La dynamique est convaincue, fort de son expérience, avec le régime en place, qu'il est incapable d'organiser ces élections voulues par notre peuple. 4. Pour la dynamique de l'opposition, seule une transition sans M. Kabila est la voie indiquée pour mettre fin à l'impasse. C'est lui qui constitue l'obstacle au retour à l'ordre constitutionnel. 5. Cette option sera davantage renforcée si les élections annoncées ne sont pas organisées cette année. 6. Le peuple congolais sait aujourd'hui qu'au regard du bilan désastreux du régime de M. Kabila, aucun candidat issu de sa mouvance ne peut gagner les élections dans notre pays. Par conséquent, aucun candidat issu de sa mouvance ne peut gagner l'élection présidentielle dans notre pays. Par conséquent, personne ne pourra voler au peuple congolais sa victoire certaine, son affranchissement du régime en place et la rupture systémique qu'il entend opérer cette année pour un Congo nouveau, libre et prospère. La mobilisation tous azimuts commence aujourd'hui même. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, la détermination des membres de la dynamique de l'opposition à apporter sa contribution dans les combats pour la sauvegarde de la République et à donner à notre peuple des raisons d'espérer un avenir meilleur et sans faille. Et la dynamique entend maintenir les caps comme l'une des organisations phares dans la lutte pour une alternative crédible dans notre pays. Pour y parvenir, nous allons, dans les jours prochains, vous livrer nos propositions pour sortir le Congo du trou béant dans lequel il se trouve. Nos propositions sont basées sur notre projet de société intitulé « Investir dans les citoyens pour développer la République démocratique du Congo » qui s'articule autour des piliers suivants. 1. Le social-libéralisme. Notre doctrine politique, un système qui allie les atouts du marché et les bienfaits de la régulation de l'État dans l'économie pour éviter les effets pervers du premier. 2. La citoyenneté. Nous voulons être de bons citoyens, des citoyens conscients non seulement de nos droits, mais aussi
de nos devoirs, tout Congolais doit participer activement à l'édification d'une société congolaise, à la dimension de la position géostratégique et des ressources naturelles et humaines que Dieu nous a données. 3. Le pacte pour le développement que nous allons signer avec le peuple congolais, car rien ne peut se faire sans lui. Dans ce cadre, il nous faut une démarche de contractualisation pluriannuelle qui sera engagée par le gouvernement avec les acteurs économiques. Un contrat de 40 mois sera signé entre le gouvernement central, les gouvernements provinciaux, chaque zone de développement et les autres parties prenantes, c'est-à-dire entreprises, écoles, universités, centres de formation, églises, sociétés civiles et ainsi de suite. Des comités seront mis en place et auront comme outil de débat les documents stratégiques pour la croissance et la réduction de la pauvreté. 4. La bonne gouvernance pour mettre fin à la corruption et à toutes les anti-valeurs. En effet, la gestion des affaires du pays ne doit plus être liée aux individus, mais plutôt aux structures de l'État, dotées de procédures adéquates, y compris les procédures de contrôle. Le Parlement devra exercer librement ses prérogatives constitutionnelles, notamment celles de contrôle de l'exécutif, l'examen et l'analyse du budget, ainsi que les séances sur la reddition des comptes de l'État devront être des exercices sérieux et non complaisants. La Cour des comptes doit pleinement jouer son rôle. Les comptes de l'État doivent être établis conformément aux procédures en vigueur et la Cour des comptes doit juger et certifier la régularité des comptes établis par les comptables publics. Elle devra également contrôler les bons emplois et la bonne gestion des fonds publics et jouer le rôle qui est le sien pour assister l'Assemblée nationale dans l'assurance de la bonne exécution des lois de finances. 5. La réconciliation nationale pour permettre à notre peuple de retrouver sa cohésion brisée par le système AFDL. En effet, notre pays est aujourd'hui gravement menacé dans sa cohésion interne d'une part par l'instrumentalisation des disputes entre individus et entre communautés qui les composent et d'autre part par des guerres à l'est imposées par certains de nos voisins. Certains conflits latents ou ouverts à caractère intercommunautaire et ou politique ont des conséquences déplorables, tant sur la vie des individus que celle de la nation tout entière. Les Congolais ont perdu une grande valeur qui les caractérisait, c'est-à-dire l'amour. Comment expliquer ces comportements quand on sait que plus de 80% de la population congolaise est chrétienne et que la première valeur du chrétien, c'est l'amour. 6. Les principes gagnant-gagnant. Nous pensons réellement que les relations dans une société est un jeu,
Il convient aux acteurs d'en définir les règles. En faisant recours à la théorie des jeux, game theory en anglais, nous allons privilégier les principes du jeu coopératif, selon lesquels le joueur a la possibilité de se concerter et de s'engager à coopérer avant de définir la stratégie à mettre en place pour que toutes les parties prenantes reçoivent chacune de son côté un gain important. Dans la règle gagnant-gagnant, personne n'est lésé. Cette règle, qui sera appliquée pour les interactions au sein de la communauté nationale, sera le pilier de nos relations avec les partenaires extérieurs du Congo. Personne ne doit chercher à exploiter l'autre. Tout investisseur qui choisit le Congo pour faire ses affaires doit tirer un profit conséquent de son investissement, comme les Congolais qui doivent aussi en tirer un profit équitable. Il nous faut un équilibre. Le porteur du capital gagne, mais aussi les propriétaires de matières premières gagnent. Sincèrement, si nous sommes sérieux, nous aurons la réponse que Moïse a donnée au peuple d'Israël dans Exode 14, 13, lorsqu'il dit, je cite, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. » Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Un Congo libre et prospère, c'est encore possible. C'est encore possible que la RDC retrouve sa place dans les concerts des nations et qu'elle ne soit plus la risée du monde. C'est encore possible que les filles et fils de ce pays se forgent un caractère fort pour défendre l'intérêt national. C'est encore possible que la bonne gouvernance élise domicile en RDC. Oui, c'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Quant à moi, chers frères et sœurs, quant à moi, je m'emploierai avec vous et avec l'aide de Dieu pour que cela soit une réalité afin d'honorer la mémoire de nos pères de l'indépendance et de mériter les respects de générations futures. Sur ce, je déclare clos les travaux de la troisième convention de la dynamique et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. Et si bien, 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 et si
Nous allons libérer Charles. Général, vous avez pris part à la troisième population. Vous savez que des moments comme ça, c'est des moments inoubliables. C'est des instants où de grandes décisions se prennent et se déclinent aussi. J'ai beaucoup apprécié l'organisation et des résolutions. Parmi lesquels j'ai noté la résolution phare, celle d'investir M. Fayoulou comme candidat président de la République. Mais j'ai aussi aimé l'ouverture, l'esprit de l'ouverture qui a caractérisé cette décision, celui d'envisager une démarche, de contacter les autres pour une candidature commune. Mais aussi le discours tonitruant de l'honorable Fayoulou qui a dépeint les réalités congolaises aujourd'hui, mais aussi à annoncer des lignes maîtresses pour un Congo meilleur de demain. Donc, je salue à juste titre cette organisation. Je ne manquerai pas aussi à saluer l'implication de la jeunesse que j'ai vue super motivée aujourd'hui. Je crois encore à cette jeunesse. Si nous sommes sérieux, nous sommes capables de construire un Congo meilleur demain. Pendant que vous avez aussi les combattants, est-ce que cette candidature ne vient pas de vous? Loin de là, la candidature de M. Fayoulou n'inquiète aucune candidature parce qu'il est candidat comme tous les autres. Mais je vous ai parlé ici de l'esprit de l'ouverture qui a caractérisé cette décision. Ils sont quand même ouverts à des discussions pour une candidature commune. Je pense qu'on peut s'arrêter là et observer l'opposition. Dire que telle candidature inquiéterait telle autre candidature, c'est aller vite en besogne. Okay. Merci. Ma candidature n'exclut pas la candidature commune de l'opposition à l'élection présidentielle prochaine. Parce qu'il y a une résolution de cette troisième convention qui dit qu'il faut que les candidats investis entreprennent des démarches avec les autres candidats, les autres composantes politiques de l'opposition, pour voir cette possibilité de sortir un candidat commun. Il y a aussi une résolution qui a fixé les critères d'après la dynamique. Et ces critères doivent être discutés aussi avec les autres composantes de l'opposition. Oui, la transition sans Kabila avait simplement dit que s'il n'y a pas d'élection crédible, transparente, organisée dans ces pays, qui peut participer à de telles élections. Si M. Kabila, avec ses acolytes Nanga et Basengezi, s'emploie à organiser des élections avec une machine à voler, avec un fichier électoral qui a déjà en son sein près de 10 millions de fictifs qu'on va utiliser demain
pour déverser pour les comptes d'un candidat président de la République et pour les comptes des candidats députés nationaux et députés provinciaux, s'il y a ces fictifs, il sera difficile que quelqu'un de conscient s'aventure à aller participer à une telle ou à de telles élections. Donc nous disons qu'il faut qu'on s'emploie tous au sein de l'opposition et de la société civile pour obtenir des élections crédibles, transparentes et apaisées. Mais qui pourrait diriger la transition sans Kabila ? Nous disons ceci, les résolutions sont claires. La dynamique de l'opposition ne boycottera pas les élections. Le boycott n'est pas dans son vocabulaire. Mais la dynamique de l'opposition veut des élections crédibles. Il n'y a pas à partir des camps. Nous, aujourd'hui, déjà depuis, nous nous organisons, nous nous préparons pour les élections.